Repartie évidemment. Donc dans cette partie de Far Cry, je vous avais abandonné il y a 2 secondes. J'ai recommencé. J'ai suspecté que mon programme est planté. Et donc ça m'a obligé, on va dire ça comme ça, de devoir redémarrer le. Le programme. Mais ce n'est pas grave que cela se tienne. J'ai déjà. Il y a plus de monde que tantôt. C'est une blague. Tout à l'heure, il n'y avait pas autant de monde, si. On va se cacher. On va se cacher. On est une plante. On est une fougère. Bon, vous remarquerez que j'ai pas été très efficace. Hop, exécuté, exécuté. Mon Dieu. On m'a tué, on m'a tué. Oh my God. J'avais quand même fait le plus bourrin en fait. Bon, par contre, ce que je comprends pas tantôt, mais pourquoi il y avait si peu de monde et que là j'en avais beaucoup plus d'un coup. Ou alors j'avais pas visualisé tout le monde, mais ça me semble bizarre. C'est pas grave, on va faire ça comme ça à l'ancienne. Bah ouais. Chaud patate, hein. Je suis mort. Je me suis soigné, mais ça va pas durer, je vous le dis. Ouais, là, il est dans mon angle, je me casse. Ça va être chaud. Waouh. Heureusement que je suis un pro de l'évasion, les amis, parce que là, sans ça, j'étais déjà mort, évidemment. Bon, on va fouiller ça. Faut qu'ils viennent un par un, les cocos. Allez, come on. Oh. Ça passe. Bah viens. Je suis là. Ah, c'est le chef en plus, magnifique. Ah, regardez, et hop! Voilà, et de là. Oh oh. Oh oh. Il est intense. Il pique avec son snipe. L'enflure communiste.
Yalla, je cours. Vous avez vu? Comment ça court un lapin? Tiens. Normal, je tire les affiches, je suis en plein combat. Regardez, hop. Heureusement, je sais me battre au pied. Viens, mon coco. Je sais pas où je suis. Ça, c'est déjà une bonne chose. Tiens! Que je dois faire là. Ah ouais, c'est lui que je dois tuer. Enfin, que je devais tuer, on va dire, c'est comme ça. R1. Voilà. Vous avez quand même vu que j'étais relativement à la bourre, hein. Mais ça passe. C'est crème. Ça passe crème, quoi. Hop. Oh oh. Oh non, pas mourir ici. Ça aurait été très mauvais, quoi, quand même, de mourir ici, les gars. Voilà. Bon, une quête de fête. Ça, c'est fait. Comme on dit chez nous. Faire des ouais, on va mettre des points dans les exécutions. Je vais y arriver, les amis. Je vais y arriver. Problème d'élocution flagrant aujourd'hui, encore une fois. Bon, alors chasse survie. Bon, ça, je sais pas si ça va plaire, mais on va déjà se recharger. C'est pas grand chose, mais voilà. Déjà ça. Alors, ici. Ne plus jamais souffrir. Est-ce qu'on a quelque chose? Ravi d'avoir pu aider. Je pense que c'est lui. Out. C'est bien. Calmez-vous. Voilà. Bon. Je suis là. Checkpoint. Vous êtes où? Je tombe en notre position. Un trou à rats ou deux pleurs dans sa cave. C'est rempli de rats. Bon, il faut monter. Ok, j'arrive. On a pas pris le bon côté déjà. Ça commence bien. Voilà. On va gagner du temps, les amis. Et on va se diriger donc vers l'endroit pingué sur la map. Ouais. Je vais pas prendre le chemin le plus facile, encore une fois, j'ai l'impression. Attendez. La technique du jeu monte en oblique, elle peut fonctionner ici. Ou pas. Ah bah, il va falloir que je remonte et que je rejoigne la route ici sur ma gauche. Yes sir, c'est bon. Ça va mettre avant l'impact. Bon, par contre, est-ce que... Oh, ça c'est une mauvaise idée. Vous voyez, j'ai quand même un flingue à lunettes, ce qui est pas une mauvaise chose quand même, à mon avis, contre les bestiaux contre lesquels je vais devoir me battre. Rouge, feuille rouge. Ah super, je suis plein. Ça me plaît pas trop. Bon, c'est pas grave. Lance roquette, c'est une blague. Ouais, bon, déjà je vais avoir un sacré monstre qui va se pointer. Ils sont où? Bon, c'est pas ce qu'on a fait de mieux quand même. Hein.
Bon, j'ai déjà deux cellules en moins. Magnifique. LOL! Bon, c'est officiel, hein, je suis mauvais. Bon, le coup de leur roquette, on leur fera pas, parce que je vois pas le concept. Je m'attendais à un rhino, un éléphant ou quelque chose. Mais non, là, j'ai. Non, je vois pas le concept. Quoi qu'il arrive. En fait, tu sais quoi? On se lance roquette. On va les renvoyer en petits morceaux directement chez Doppler. Pour que lui aussi chope la rage. Bordel, mais qu'est-ce que tu fous? Ouais, super, magnifique. Bon. Ah là 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 là. Ouais, peut-être que j'essaye avec les mines de proximité. Parce que vous avez vu que l'autre, c'était pas. Boum. Putain, je suis mauvais. Mon Dieu. Je pense que je vais passer pas mal de temps sur ces missions de merde. Mais bon.
coriace. Des griffes et des mâchoires d'acier, mon ami. Bon, et eh ben écoutez, voilà, c'est réussi, c'était vachement bourrin, parce que j'ai quand même tué tout le monde dans le temps, pour le dernier. Bon, on va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre, écoutez, c'est quoi? Non, c'est là je crois, non, c'est où? Collection sac à butin. Voilà, nous y sommes. Je vais jeter, oui. Je vais jeter, oui. Tout ce qui peut se vendre pour faire de la place, évidemment, parce que j'ai besoin de place pour ça. Parce que comme j'ai quand même tué des fameux mouflettes, des mouflettes, on va dire ça, on va appeler ça comme ça. Et je vais quand même me prendre la rançon de la gloire. Après tout, c'est de merde. J'ai droit aussi de ne pas avoir fait tout ça pour rien. Et je vais penser à vendre aussi donc mon inventaire parce que je vois qu'il y a pas mal de choses. Bon, j'espère que ça va pas me sauter à la gueule ce bordel. Normalement, ça devrait. Il y a encore une peau là-bas. Ouais, j'ai quand même fait pas mal de peau là. Bon, je sais pas si, si ça va me servir en tout cas, mais... Bon, écoutez, je vais déplacer son corps parce qu'il y a la mouflette qui m'intéressait. Je ne sais pas accéder. Voilà. Fouille impossible. C'est con parce que franchement, il y a des trucs qui valent le coup. Hein. Mais bon. Tant pis. On se passera de ça et on ira vendre dans son inventaire évidemment. R1 et je vais confier. Voilà. Et compétences requises. Compétences requises. D'accord. Bon. Je vais aller chercher les deux pots qui me restent là-bas. Ici, voilà. Et la dernière qui se trouve évidemment ici. Ce qui clôture cette mission, évidemment.
mètres de l'avant-poste. Ok, bon. Attendez. Hein. On va essayer de les prendre dans l'ordre. Là, j'ai encore une mission a priori. Assassinat. Bon. Je vais aller à cet avant-poste et donc vider mon sac à butin. Recharger mes armures et démarrer l'autre mission qui est après, évidemment. Alors, je ne sais pas si c'est ces missions-là que je vais faire ou si c'est les missions de Longinus et compagnie. On verra bien. D'accord, ça n'est qu'à. Oh. Ça n'est qu'à vendre. Je suis dégoûté. Non. D'accord, super, en plus. Confection. Portefeuille, macaque. Et en fait, dans ce jeu, il y a toujours quelque chose à faire. On vous dit toujours, ah ben non, finalement, ce serait bien d'aller faire ça. Ouais, bah tant pis, je vais tout jeter. Hein. Ou alors, je vais acheter une arme. Ouais, on va faire l'américain. On va faire l'américain, on va acheter une arme, ouais. Attendez, je vais acheter un gilet pare-balles déjà. Ah, je tombe. Ouais, ok. Niveau 2 de karma, le karma est là, ok. Je vais acheter des seringues de soins, c'est pas perdu. Je vais prendre une arme spéciale. Bon. Wow. Ah d'accord. J'avais tiqué sur celle-là. Mais. Celle-là, elle est terrible. Mais bon, il faut faire des libérations d'otages. Et je ne peux point pour le moment. Bon, une arme bien chère là. Vous n'avez pas ça en stock, les gars? Bon, écoutez, on va acheter une latte. Et... Ouais. Voilà, elle est achetée. Elle ne sert à rien du tout. On va faire ça. Alors, prenons-nous dans les bois tant que Paganine n'y est pas. D'accord. Ah, il va me plaire ce flag. Là, on a le maître de l'avant-poste. Ce n'est pas lui, évidemment, qui nous intéresse. C'est lui. Discrètement. Et merde. Je l'ai lu. Je l'ai lu quand je l'ai fait, j'aurais pas dû. Évidemment, on va prendre la voiture pour gagner du temps parce que sinon, on y est encore. Quelle idée. Vous écoutez Radio Free Kirat. Comme vous le savez, Pagan se sert de l'ancien distributeur de télé locale Kirat comme centre de trafic d'opium pour Polaire. Attendez, je vais regarder la route parce que là, franchement, ok. Je me demande si les autorités étrangères à moins que je prenne cette petite route qui coupe à travers tout. Ouais, on essaie de pas se vautrer dans la route, dans la faune et la flore. Voilà, on a coupé et c'est parti tuer le commandant sans vous faire repérer. Ouais, bon, déjà, ça commence bien. Ça c'est bon ça. Et si je le tue les gens au sniper, est-ce que techniquement je me fais repérer ou pas? Écoutez, on va. On va vite le savoir. Attendez. Hein. Je vous avoue qu'il faut pas rater son coup. Hein. Bon, pour le moment, ça a l'air d'être bon.
juste au moment où j'allais sniper le mec. Waouh. Ça va être chaud, ça. Je vais quand même rester là et on va voir ce qu'on peut faire. Bon, le troisième ne regarde pas. Attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Lui, on va le sniper direct. Oh putain, je l'ai raté. Super. Bien joué, Biden. Pour la discrétion, on reviendra, mais je pense que j'ai pas trop joué ce sniper. Il fallait juste pas rater ça facile. J'étais un petit peu trop impatient de le tuer, a priori. J'avoue que en sniper, on a vu mieux quand même. Putain, ouais, cette voiture. J'ai failli les allumer les deux là. Si je. Ah non, de toute façon, j'allais changer de côté en fait. Prendre par un flanc. Mais de toute façon la vision est la même, je pense que ce serait même pire en fait. On va tenter mais... Voilà, il faut que je l'ai mis en visu et lui en... J'ai pas en visu. Hein. Bon, on va repasser de l'autre côté, c'est pas grave. Je pense qu'on va passer sur la montagne à gauche, enfin celle en face de moi là. Oh oh, je suis grillé. Putain, j'ai bien fait de me barrer. D'accord. Pleine tête. Oh. On a bu mon lin. Je vais me barrer parce que j'aime pas fort beaucoup ça. Pleine tête. Bon, il cherche toujours après moi. Oh, je l'ai eu. Je pense que je suis OP. On va aller doucement. On va aller avec la caméra. Histoire de dire d'avoir eu tout ce qu'il fallait dans ce camp. Mais je pense que c'est bon. Bon, je vais aller fouiller le corps sans me faire repérer. J'espère que ça ira. Ouais. Voilà. Je vais aller cacher le corps. Bon, vous remarquez que normalement je suis censé le faire gentiment. Mais moi je tue. En fait, je tue tout le camp alors que je pourrais tuer qu'une seule personne. Après, les adeptes de l'infiltration et compagnie, eux, s'amuseraient certainement à ne faire qu'une cible. Sans se faire repérer. Bon, après, c'est à vous de voir un petit peu comment vous aimez bien et comment vous jouez. Comme ça, vous le savez déjà aussi. Bon, j'ai pas mal de quêtes à faire, évidemment. Et là-bas à droite, en me défend, il y a quoi? Voilà. Alors, carte.
fait, j'ai peur que je fasse ces missions pour rien, en fait. Alors, c'est quoi ça? Ravitaillement. Récupérer. Récupérer. XP et roupies. Ouais, bon. Rien de bien spécial. La Fashion Week. Je sais pas si je le ferai. Alors, on a des libérations d'otages ici. On va se téléporter. Et on va faire cette mission. Tranquillement. Bien que, évidemment, la Fashion Week, ce serait bien. Mais évidemment, ça va pas être une petite bébête. Ça, il faut s'y attendre. Donc, c'est pour ça que je. Voilà. Hormis le sniper ou le lance-roquette, je vois pas le concept. Hop, je vais accepter et on va aller chercher ces fameux je vais m'en occuper. Otages. Voilà, je vais prendre la voiture qui est sur ma gauche. Le quad, je devrais dire plutôt. Et c'est parti, je vais aller rejoindre ces otages discrètement. Je vais tenter en tout cas. Je vais passer par là. J'espère pouvoir passer par ici. Pour justement avoir un effet de surprise. Bon, je ne peux pas escalader ces rochers. Ça aurait été bien de pouvoir s'y mettre et s'y loger, évidemment. Alors. Pleine tête. Tac, en pleine tête. En pleine tête. Oh putain, je peux plus. Et voilà. Putain, j'ai cartonné là les mecs. Hein. Vous avez vu là? Ça a été rapide, ça a été réactif. Exactement comme on aime, les amis. Ouf. Bon, on va sauver tout le monde. Hein. Pourquoi ça tire? Bon. Je comprends pas tout, mais ça avait l'air bien. Bon. Bon. Bah ouais. Merci de les avoir libérés de Paris. Alors, chasser et dépecer. Bon, écoutez. Mais il reste encore beaucoup de gens. Ouais, beaucoup de gens à sauver, évidemment. Ouais. On va reprendre mon quad et on va aller quand même voir cette fameuse Fashion Week. Oh oh, bon, c'est pas grave. Attention, je vais t'écraser, je suis un fou. L'armée royale essaie de reprendre l'avant-poste. On a besoin d'aide, et vite. Bon. Eh ben, écoutez, hop. Il y a un event ici. Oula. Attendez. Oh. Misère intense. Bon, ok. On va se soigner. On va y arriver. Bon. Voilà. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort aussi. J'aurais pas dû. Mort aussi. Ah non. Eh oui, sérieux?
l'enlever. Voilà une tête. Vous remarquerez que j'ai pas souvent des têtes non plus. Même au sniper. Bon. On va aller chercher. Oh punaise. Les rebelles. On va aller calmer tout ça parce que ça m'a l'air un petit peu confus cette histoire. Hop, on va soigner. Heureusement que j'ai quand même pris des trucs. Hop. On va descendre tout le monde. Voilà, à la bourre. Hein. Bon. Eh ben. Voilà, je pense que c'est bon. Tout ça pour ça. Non, pas mettre de l'avant. Pas folle la guêpe. Alors, je vais pouvoir enfin aller voir mon Fashion Week ou quoi? 100 mètres, bon. J'ai comme l'impression que je vais pleurer ma race quand je vais le voir. Bon, par contre, il me semblait qu'il y avait un ennemi. Ah, là, il y a une peau par contre. Je ne sais pas pourquoi. Même s'il y a le cas une peau. Oh, ok. Bon, on va tirer hein, parce que je sais pas ce que c'est ça. On a un tapir. Ouais. Et lui. Ça c'est bien aussi. Ça se prend. Panthère nébuleuse. Ça fait un petit peu chevalier de Zodiac avec ça les amis non. Par la panthère nébuleuse. Oui, c'est à peu près ça. Je pense qu'on est. On est dedans là. Bon, allons rendre visite à notre ami l'animal unique. Oh là, ça me plaît pas beaucoup. Et où chacun? Photo de mariage. On va faire ça. Et on va ouvrir la maison. Et on va profiter d'une petite vidéo. Tiens. Entrez. Par contre, j'aime pas le concept. EJ ou Adonis? Ses yeux troublants. Cette mâchoire virile. La tenue, tiens. Plus de l'armée du salut que du sentier d'or, mais. Mais je dois pouvoir me débrouiller. Vous êtes qui? Je suis Mumu Chiffon, d'ailleurs officiel de la couronne pour le roi du pirate, son Altesse, Paganmi. Mais appelez-moi Monsieur Chiffon. Ravi de vous rencontrer. Bossez pour mine. Avant, oui. Nous avons eu une petite dispute. Il a voulu me tuer. Ça va, ça passe quoi? Mais c'est du passé. Parlons de l'avenir. C'est la Fashion Week du pirate. Et je crois qu'on peut s'entraider. Il vous faut des accessoires, j'ai besoin d'un mannequin. Je souhaiterais faire de vous la pièce maîtresse de ma nouvelle collection. Complètement starbé le mec en fait. Je l'ai appelé prêt à cogner. Super. Et vous voulez que je porte ça? Ça? Pouf. Juste des prototypes. Non. Il faut bien mieux que ça pour le fils prodigue. En fait, il est chaud le mec. Il est chaud, il est sous la carotte, je crois. De mode rationnel dans une académie parisienne. Bla bla bla. Un vêtement, bon, on peut passer ça ou pas? Doit être pratique avant d'être élégant. La forme vient après la fonction. Levez. Oh le. Un à carré, moi, du truc. Vous irez me chercher des matériaux exotiques. Fourrure, des peaux. Ouais, génial. Des fourrures. Ah oui, donc en fait, je vois. C'est une succession de peaux, de machin. Oh là là. Pour faire ressortir. Qu'est-ce que j'étais fou de moi. J'aurais dû faire ça après, en fait.
Bon. Je vous enverrai les modèles et les emplacements. J'espère que vous maniez la machine à coudre aussi bien que la mitrailleuse. Parce que nous deux, on va vous faire un look féroce. Allons, ne restez pas là. L'heure tourne. Revenez quand vous aurez fini de fabriquer mes modèles.
Me revoici. Les impondérables de la vie. Mais bon. Donc, on va revenir sur nos moutons. Donc, on est occupé là sur Far Cry 4. J'ai été occupé de faire des missions de d'avant-poste principalement pour pouvoir continuer la suite du jeu. Que dire de plus? Là, j'en étais à la semaine du Fashion Week. J'ai pas tout compris, mais ça avait l'air d'être bien. Ou pas. Alors, c'est quoi ça? Chasser, dépecer, nanana. Bon, par contre, je sais pas. Franchement, selon vous, est-ce que je le ferai ou pas, ce truc? Je vais essayer de me concentrer sur les quêtes. Bon, ici, il y a quand même pas mal de trucs à voir. Ouais. Ouais. Il y a de la chasse. Là, on a quoi? On a des quêtes, on a des quêtes. Là, on a quelque chose, on a l'Eurongenus. Et on a normalement le Y ici, Yogi et Riki. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va stepper et je vais... Oh, je sais pas. Est-ce que je sais me TP ici? Évidemment non, c'eût été trop beau. J'ai pas de point de TP dans le coin, évidemment. Je vais pinguer Longinus. Et je vais me TP ici au manoir Keta. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si vous le voulez bien. C'est super sympa. Je vous remercie en tout cas de tout ça. De faire vivre mon projet. Et je le fais par vous. Ça me fait plaisir. Que dire de plus? Place au jeu et c'est reparti. Évidemment, attendez, faut que je switch mon écran. C'est l'avantage d'avoir le PC et la console sur le même écran, mais ça prend parfois du temps. Voilà, c'est parti, on est reparti. On va refaire le plein de snipe. On va sortir, on va prendre une. Oh là là, je fais chaque fois la même connerie. Je sors tout le temps le petit flingue. Je défonce tout. Bon, Longinus. Ah, oh, on a un cerf ici. Bim. Bon, bah, c'est pas grave. Attendez. Il est où Longinus? Ouais. Ok, donc il va falloir. Bon, quoi. Est-ce que selon vous, il y a moyen? Non, on va pas. On va pas tergiverser pendant 15 ans. J'avais pensé peut-être passer. Et bam! GTA style. Donc passer à travers les montagnes et tout ça, mais non. On va pas faire ça. Oh pardon, excusez-moi. Je crois que j'ai pris froid, j'aurais pas dû dormir tout nu. Bon bah, c'est pas grave. Oh là, des coca. Écrasé, GTA style. Il pique, hein. Hey, ils sont sérieux là? Attendez. LOL! J'ai pas eu le temps de sortir et de me soigner. Si je sortais, je me soignais, je les abattais, c'était fini, on n'en parlait plus. Bon, ça c'était dans mes rêves. Bon, la prochaine fois je m'arrête, je les tue, hein, c'est tout. Ou alors j'essaye de les contourner, mais. Un petit peu mieux quand même. Bon, par contre, ça m'a fait perdre énormément de temps. C'est pas grave. Tant pis, on va faire ça avec. Alors, auparavant, excusez-moi. Hop, on va prendre une bagnole. Et c'est parti, on va la jouer à la GTA Style. C'est reparti, mes amis. Bon, j'aurais déjà pas perdu ce temps à tergiverser. Ce sera déjà une bonne chose. On va doubler sur la gauche en mode GTA. C'est parti. Burnout. Ou Test Drive. Je ne sais pas si vous avez connu ce jeu Test Drive. Magnifique. Anthologique ce jeu. Ou c'était Lotus. Ça devait être ça, Lotus. C'est dans le même style d'arcade et c'était génial ce jeu. C'était juste génial quoi.
On va perdre une grande époque de jeu, je vous le dis déjà. Hélas. Oh là, le camion. Hop là. Esquive de camion. Hop là. Hop là. En mode. Vous avez vu ou quoi? Hop. On va sortir et on va calmer tout le monde ici. Voilà. Ici. C'est chaud. Bon, ça c'est bon ça. Voilà. Et on peut repartir tranquillement. Comme si de rien n'était. Tiens, c'était quoi le délire? Forteresse. Tu es près de la forteresse. Ouais, et alors? Sois prudent. Ce sera dur de prendre Barchacotte tant que Paul sera en vie. Je veux pas le prendre. Je veux pas prendre Barchacotte. Mais par contre, ce serait bien de le faire une fois. Je vais tenter de le faire une fois avec un ami. Et on va voir ça. Comment on peut gérer le schmilblick, comme on dit. Bon, je suis encore à 200 mètres. J'approche tout doucement. J'ai peur, ouais, qu'il faille que j'escalade les montagnes, en fait. J'espère pas. J'ai pas l'air armé pour ça. Si, c'est bon. Ici. Nice. Voilà. Et. C'est. Non, c'est pas parti. Lol. Ah là. Grappin, c'est parti. Voilà. Bon. On escalade donc cette petite montagne tranquille. Voilà. On a déjà un étage et ici à mon avis voilà on a le deuxième pour pouvoir rejoindre donc notre quête de Longinus. On va pouvoir voir ça tranquillement à son aise. Je sais pas du tout ce qui va nous attendre. 100 mètres, on verra bien. Écoutez, j'espère ne pas avoir trop d'ennemis ou trop de mal à la faire. J'ai aucune idée. Bon, ici, j'ai un lieu découvert. Je vais d'abord ouvrir les coffres qui sont derrière, comme ça, je dois pas y retourner. Voilà, ça fait des sous. 200 000, badge, machin. À tenir pour interagir. Et c'est parti, on est donc dans la suite. Hey Jay, mon fils. Je me disais justement qu'on devrait joindre nos forces, toi et moi. Et la Providence a répondu à mes attentes. Ouais. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Il est complètement starbé, lui. À la bataille. C'est dans les psaumes. Ou bien, fais ce qu'un soldat sait faire. Même si pour cela, tu dois venir dans un pays d'impie comme celui-ci. Nous autres soldats, nous protégeons notre peuple par notre volonté de tuer. Et que nous faut-il pour parvenir à nos fins? La foi. Des flingues, Edge, plein. Il est complètement taré, le mec. Il lui manque une case. Et calmer les autres déchaînés. Oh là 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 là, c'est un fou. Complètement. Un coup c'est Dieu, un coup c'est les flingues. Ok. Ok. Ah, franchement, ouais, tu réponds ok, quoi. Les écailles lui sont enfin tombées des yeux. Une cargaison devait franchir les montagnes en hélicoptère, mais il s'est crashé. Tiens, tu prends ce détecteur et tu récupères la cargaison avant l'armée royale. Le seigneur te fournira un moyen de transport. Marché conclu. Amen. Amen. Allez, va. File. File, Eke. Amen. Ça me plaît. Allez rencontrer le Sherpa. Vas-y, quand tu veux, mec. Vas-y. Ah, on va jusqu'en Himalaya. Ah ouais, oh là. Je suis pas encore allé à l'Himalaya. D'accord. Bon, écoutez. Trouver un masque... Ah, ouais, d'accord. Trouver un masque à oxygène. Génial.
m'avez donné me dit que j'approche de ce que vous voulez que je trouve. C'est une très bonne nouvelle, Etier. Mais sois prudent sur le site du crash. L'armée royale a dû envoyer des hommes récupérer la cargaison de... Arbuda, ok. Attaque-les s'il le faut. Bah carrément que je vais les attaquer. Trouver un masque oxygène, je pense que... Ouh, attends. Wow. Mais sérieux, lui ? Tiens, la balle. Attendez. Tiens, dans ta tête. Je vais dépecer cet animal. C'est pas le bon moment parce que j'ai quand même pas mal de monde là dans les... Oh, on va être gentil avec moi, hein. J'ai rien dit, moi. J'ai été gentil. Ah, mais c'est pas possible. Je mets trop longtemps à viser le gars, quoi. C'est pénible. Oh, attendez. On va la jouer comme je sais faire, c'est-à-dire on tire dans le tas. Parce que là, ça commence à me gonfler. À chercher. Normalement, je vous situe un peu le bazar, le froid qui fait, on se prend une balle, on meurt. Mais assez vite quand même. Bon, viens ici toi. Viens ici, quelque part. Tiens, dans ta tête. Bon, est-ce que je vais pouvoir enfin dépecer mon animal? Ah non, je l'avais déjà dépecé en fait. Lol. Bon. Là, il y a quelqu'un là, dans le coin. Et où? Je vais essayer de le prendre à revers. Boum. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, ici j'ai des balles, a priori. Bon chantant, magnifique. Une belle jambe, un masque oxygène et c'est parti. Je dois essayer de localiser. Ouais, super. Je vois de tout, connaissant mon skill. Oh, tracker d'objets, vous êtes plus vous approchez, plus la lumière clignote. Ouais. Et... Attendez, parce que là, c'est quoi ce bordel? Attendez, allez. Ouf, chacun. Bon, la lumière verte clignote. S'équiper du GPS, ouais, ce serait bien. Bon, l'outil bêta. Allez hop, on va dépecer tout le monde, on va pas se casser la tête. Voilà. Tiens. On a fait le même coup tout à l'heure, chacal. Bon, on va faire attention quand même à l'oxygène. Parce qu'on a quand même une jauge d'oxygène. Bon. Là, je pense. Non. Là, il y a l'hélicoptère. Voilà. Et après. Qu'est-ce que je dois faire? Chercher dans le... Ah là, le corps. Voilà. Vide. Vide. Merde.
localiser les cargaisons. C'est parti. J'espère pas être trop loin de ce bordel quand même. Je vais les localiser, on verra bien. Avec le tracker, bon. Parti va moins bien me plaire. Il y a du monde. Voilà, hop là. Par contre, le bip bip bip, c'est vachement énervant. C'est une blague? Oh, allez, ça c'est une souci. Allez, fais le tour. Oh, c'est une blague. Je suis incapable de tirer, c'est... Oh lol. Je vais mourir. Hein. Je vais mourir. Hein. Faut que je me planque. Faut que j'aille me planquer. Mais j'ai nulle part où me planquer. Faut que j'en zigouille une perle. Une tête. Et deux. Hein. Vite. Bon. J'espère que je vais pas essayer. Que je vais pas perdre trop de temps. Hop, oh, bien joué, t'as été super mauvais. Punaise. Alors là, il va falloir m'expliquer comment j'ai fait. Pour pas crever. Bon. Il y a pas mal de coffres ici dans le coin à ouvrir. Évidemment, on va profiter du moment pour les ouvrir, évidemment. Là, lui, c'est lui que je veux. Voilà. Et de deux. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va reprendre une moto des neiges. Et on va éviter de se prendre les murs aussi. Ce serait bien. Wow, 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 ça c'était certainement la plus mauvaise idée du monde. C'était de tenter de sauter. Non. Je dois les refaire, c'est une blague. Et non, en plus je vois rien du tout. Oh lol. En fait, on est au tout début. J'en ai un ici. Déjà une bonne chose. Sur la BA, ouais, ouais, ouais. J'allais dire.
Ouais, on va dépecer un ours. Je pense que ça vaut le coup. Bon. On va le fouiller quand même. Sur un malentendu, on pourrait trouver quelque chose. Rien du tout. Ok, bon. Ah bah vous voyez, c'était lui que je devais fouiller justement. Bon. Il va falloir que je trouve un moyen de remonter. Là, sur la gauche, je crois. Je devrais avoir quelque chose. J'espère. Oui. Ils sont gentils avec moi, les gens. Ils m'ont donné un sniper avec des balles. Un fusil avec des balles. Bon, j'en ai plus beaucoup par contre là. Bon. On va descendre, hein, écoutez. On va tenter de rejoindre la zone qui est juste là-haut. Je ne vois pas par quel artifice je pourrais y arriver. Mais une corde ou un truc dans le genre, ça pourrait être sympathique, évidemment. Mais en fait, j'y arrive. Sans le vouloir, j'y suis arrivé. Oh, oh, ça, j'aime pas ça. Ça, c'est un coup à tomber dans le vide. Paris, allez. Ouf. Allez, c'est parti. On va monter doucement la colline et la montagne. Oh là là. Waouh. Voilà. On va tenter la... Ouais, très bien, on va gagner du temps. Là, t'es sérieux toi? T'as tué le chat ou quoi? T'as craqué ton slip? Et il va me tuer. Hein. Il va me tuer. Bon. Je dois donc m'équiper de ça. J'ai pas le choix. C'est triste, hein. On va gagner du temps. On va monter directement comme ça. En fait, je pense que j'ai pris, j'avais pris le chemin le plus long. Je sais pas. On verra. Oui. Ouais, je pense. Je pense parce que bizarrement, ça va plus vite. Par contre ce but c'est violent, casse les oreilles. Bon, comment pourrais-je? Ah bah alors, bon, par contre il y a un feu. T'es sérieux lui? Quand c'est pas l'un c'est l'autre. Bah tiens. Et il faut combien de balles à lui? Sérieusement? Il va
tuer. Hein. Il m'a tué. Hein. Bon. Ok, bon. Vous avez vu quand même que Alain se prend 4 balles de snipe, n'est pas mort. Hein. On va donc regravir les échelons, les étages, comme c'était normalement déjà fait X fois, mais bon, c'est pas grave. Tente à la grenade, hein, mais j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu abusé comme rapport de force. Bon, là-bas. Oh, les oiseaux maintenant, ils s'y mettent aussi. C'est une blague. Et Vlama. Défoncé. Tiens. Je vais pas y arriver, hein. Ah punaise, enfoiré. Lui, il m'aura donné la misère du siècle. Voilà, bon. On va quand même recharger ces balles ici. Et on va avancer. On va le fouiller pour trouver sa cargaison. Celui-là s'en doit faire, mais si c'est pas des armes, qu'est-ce que je fais là, moi? Je dois retourner auprès de Longinus. Oh là. Wow, ça c'est fait. Je savais plus. Faire attention de ne pas se tuer quand même, hein, ce serait quand même dommage. C'est mon seul chemin. On va descendre en rappel. Voilà. Honnêtement, plus vite de monter que de descendre. Que de descendre que de monter. Hein. Bon, vous allez me dire, c'est normal. C'est pas le genre de grotte que j'aime bien explorer. On va faire que passer. Hop. On va essayer de ne pas traîner évidemment dans ce milieu hostile. Plus d'oxygène par contre. Super. Je vois rien du tout. Ouais. Bon, eh ben, je vais tenter d'avancer comme ça là, à l'aveugle. Écoutez, j'ai quand même l'impression. Ah. Je pensais m'éloigner en fait du point de.
Peut-être qu'il y a moyen de remonter par là, je ne sais pas. Il n'y a pas de caverne en tout cas. Parce que mon oxygène commence à manquer, mais alors fortement. J'espère pouvoir y arriver. D'accord, chaque fois que je tue quelqu'un, j'ai de l'oxygène. Bon bah écoutez, je suis pas pour tuer les gens, mais si c'est pour ma propre survie, on va faire ça. Hein. Bon, là j'ai... En pleine tête. Toi. Et hop, oh bah mince, je l'ai joué un petit peu trop franc de jeu. Ouf, c'est chaud, je pense que je suis mort. Non, j'arrive toujours à me sortir de solutions inextricables. Voilà, merci pour toi. Bon, on va se soigner quand même, on va pas jouer les francs du jeu. Parce que sinon dans 2 secondes, on est certainement mort. Et voilà Longinus. Je vais interagir avec. J'espère que cette aventure Far Cry vous plaît toujours. On va connaître enfin la suite de l'aventure. Mais comme tu m'as demandé. Je croyais que ce serait une cargaison d'armes pour le sentier d'or. J'y suis allé pour ça. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Sais-tu, on appelle ça le cycle de la vie, mais elle est construite sur des crânes et des os. Tu manges ou tu te fais manger. Pour les animaux, c'est la survie. Les humains appellent ça le business. Oh, c'était du business, EJ. Un business. C'est quoi ça? Des pierres d'œufs. J'ai été sauvé par une balle. Dans la tête. Elle a tué mon ancien moi, cet homme terrible, un homme que tu aurais appelé un seigneur de guerre. Mais cette balle a fait un trou dans mon crâne qui a permis à la lumière de Dieu d'y entrer et j'ai été baptisé par les eaux des chutes de Goka. Bon, ok, et ces diamants. Des diamants, ok. Car je voyais pas ça comme ça, mais bon. On symbolise toujours les diamants en bleu. A priori, là, ils sont blancs. Pourquoi? Peut-être non travaillé, je sais pas. Je n'y connais à rien du tout là-dedans. Je vais pas vous parler de pierres précieuses. Mais j'espère en tout cas qu'on va pouvoir continuer donc notre aventure. Ils les auront. Et même mieux. Va, dis à Amita et à Sabal qu'ils pourront avoir leurs armes. Et ça les intéressera peut-être de savoir que Doppler se prépare à livrer une cargaison d'opium à l'ancienne fabrique de thé. De l'opium? Un autre business horrible. Allez, va! Et dis-leur! Et une fois que ce sera fait, reviens me voir! Car le Seigneur est toujours à l'œuvre! En fumette aussi, ouais. Bon, serment sur la montagne. Finish. Quantité d'XP, je vais aller là en fait. Je vais pinguer là parce que
Ça a l'air d'être une mission de campagne, donc ça va certainement débloquer ma suite. Je vais donc, ça vient d'attiser ma curiosité. Alors, je vais aller faire ça. Je vais aller recharger mes armes parce qu'il me semble que j'étais un petit peu à la dèche tantôt. Bon, allez, hop. On s'en fout. Arrête de geindre. Hop. Est-ce que j'ai bien pingé le bon endroit? Yes. Bon. On y va parce qu'on a de la trotte. Oh, magnifique. Allez. Hop, hop là. Toi aussi, t'es mort. Mes frères et sœurs, nous sommes attaqués par l'armée royale et nous devons nous battre. Je répète, nous devons nous battre. Envoyez-nous de l'aide. Vous êtes au courant pour les grottes où nous organisons bon. Une petite réunion? Bah écoutez, on n'a pas le choix. Je pensais aller faire ma mission tout de suite, mais j'ai peur que ça me porte préjudice si je ne réponds pas à la... Oh mince. À la réponse. Mon Dieu, ouais. Bon, on va faire ça. Et on va prendre les gens de dos. Regardez. Bim. T'es sérieux, là? Bim. Voilà, je joue en mode bourrin. Écoutez, ils m'ont énervé. Oh, le sérieux. Allez, comment? Yosh. Je vais me soigner. Ah, il voulait ma peau, lui. T'es où, toi? Oh, oh. Oh, oh. On va courir. Ou alors. Vas-y. En place sur ma greu. Boum. Ça, c'est de la part de JFK. Oh, putain, c'est pas le bon moment pour recharger, les gars. Et pour me soigner non plus. Aïe, ça pique. Ça pique. Allez, hop. Allez, vas-y, fais-moi arriver. Boum. Lol. Ils m'ont fait perdre du temps là, c'est con. Aïe. Hey, mais pique lui. Tiens, communiste. Ah, il y en a un autre là. Voilà. Bon, évidemment. Je dois aller chercher des trucs de soins. Ça, par contre, c'est une bonne idée. Je vais profiter d'être revenu dans la ville pour me faire ça. Voilà. Voilà, on va acheter ça tranquillement. On va acheter un... Voilà, bon. Je pense qu'on a déjà bien refait son stock d'outils. On va dire ça comme ça. Bon. Alors. Marqueur. Je vais remarquer ça. Bon, j'aurais aimé. Super. Merci à toi, l'ami. Bon. Je vais remonter ici. Voilà, ma voiture. C'est pas grave. On va la reprendre. Bon, vous avez vu, j'ai un petit peu été à la bourre. Hein, je vous avoue. Hop, c'est par là. Mais bon, là, le camp en dépendait. La survie du camp en dépendait. On est à 600 mètres évidemment de notre point de mission. J'espère en tout cas que vous appréciez toujours cette... je tourne à droite. Cette mission, n'hésitez pas à partager, liker, ça fait super plaisir. Merci à tous de me suivre en tout cas. C'est bien pratique comme mot. Ça englobe tout, depuis le connard insupportable jusqu'au combat.
pas tant de la liberté qui se bat pour le pirate. Eh ben moi, les enfants, il y a plein de choses que je trouve indésirables. Est-ce que je sais traverser comme ça? Peut-être que je vais gagner du temps. Ouais. Hop là. Une route minimale et une. Voilà une petite route. On va prendre la petite route. J'aurais même voulu passer par au-dessus, mais on va pas non plus abuser. Hein. Je reviens sur une route un peu plus principale. On va dire ça comme ça. Hop. On est à droite. Ici. Et on se rejoint. Et on rejoint le point. Tout doucement. On peut voir que. Bon. En plus, je vais pas m'arrêter à tous les événements de. Hop là. À tous les événements, sinon on n'a pas fini. 50 mètres. Je vais le rejoindre. Cette mission. Je pense que c'est là. Voilà, on y est. On y est. Donc, on est bien à la suite de notre quête principale, je pense. En tout cas, s'il y a de la vidéo, c'est qu'il y a du jeu. Amita. Donc, c'est bon. Et Jay, Longinus dit que c'est de ta part. Merci. Bon. Merci, mon frère. Mais il a aussi dit que l'opium de la fabrique de thé était prêt à partir. Il faut qu'on détruise ce poison. Le détruire? Tu plaisantes? Il faut sécuriser la cargaison et les champs. Amita, on en a déjà parlé. Ah, ça y est. On ne va pas passer de Pagan Mine à Pablo Escobar. Ça va, on n'a aucune ressource naturelle. Une fois libre, on fait quoi? Les mines sont vides, les champs incultivables. Pour des années, tu veux offrir quel avenir aux pirates? Certainement pas ça, hors de question. Ou alors tu es à mettre dans le même sac que Pagan. C'est une faillite morale. Eh ben, c'est elle que je prendrai. Je suppose qu'on va me... Voilà. Je m'en doutais qu'on allait me... Me demander. Je crois que c'est toi qui as raison. Alors. Je sais que ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais le pirate ne se fera pas si sa balle s'accroche au passé. Va à la vieille fabrique de thé. Protège ses champs. Pourquoi protéger? Comment protéger ses champs? C'est là que j'aime pas le concept. Ouais. Bon, allez, on va quand même accepter celle de la fille d'Amita, c'est ça? Voilà, on va prendre la bagnole ici. Voilà. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'il me veut? Non, c'est où l'objectif? Ah là, il y a une... Salut, ici Amir et Rana sur Radio Frika. Dites, vous bon. Savez quoi? J'ai un truc à vous dire. Je vais me fier à mon GPS et à mon sens d'orientation légendaire, évidemment, pour rejoindre ce truc de thé. Donc c'est sur la droite, regarde. Ne faites pas ça, les amis. Jamais. Hop là. On a gagné 20 minutes. J'ai tendance à faire du hors-piste. Je suis désolé. Attendez. Hein. C'est où? Ah, là, en fait. D'accord. Je suis où? Là. Bah, il y a même moyen que je passe à travers tout, en fait. J'ai des petites tendances suicidaires. Bon, là, j'ai vraiment cru que j'allais claquer les mecs. Et je vous jure, j'étais pas à fond. Hein. Bon, on va ouvrir les cages ici, hein, évidemment. Je peux pas passer à côté sans reprendre les cages. Sinon ça va être... ça serait bien dommage. Parce que ça voudrait dire que je devrais y retourner incessamment sous peu. Donc voilà, on va pas... On va pas tergiverser et faire les cons à devoir repasser, je suis à côté. Bon, par contre, 600 mètres à patte...
ça risque d'être long. Bon, je vais m'occuper de mon snipe au cas où je vois des animaux. Bon, ça a l'air de tirer, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, c'est pas mon problème. Après tout, les rebelles font ce qu'ils veulent. Là, on avance 300 mètres. Bon, ça peut paraître très long. Ah, on a un animal ici qui court à travers tout. Tiens, parlant d'animaux, je n'ai pas de. Non, évidemment, j'ai une peau de chat en fait. Ça aurait été trop beau que je puisse confectionner quelque chose. Bon, c'est pas grave, on va continuer donc d'avancer vers notre objectif, la fabrique de thé. Et à mon avis, je vais éliminer tous les gens qui sont à l'intérieur pour moi-même y installer mes gars. Éliminer et protéger. Usine de thé, ok. Je suis à la fabrique de thé. Super, EJ. Ces champs d'opium sont l'avenir des pirates. Je les veux. Et pour ça, je vais avoir besoin de ton aide. Débarrasse-toi de l'armée et protège les pavots à tout prix. Et sois prudent. J'ai encore besoin de toi après ça. Voilà. Tête. Oui. Je vais vite aller courir pour détruire l'alarme. Voilà. De la chance. Tu ou pas? Oh, j'ai anticipé le tir. Oh, on va courir. Il est en mode track là, vous voyez. Il me cherche, il vient de monter le mec. Bon. Ok, hop, c'est un cadeau. Ah
merde. Chaque fois, je pense que je vais l'avoir. Bon, écoute, on va faire ça. On a une tête. On va arrêter de rire. Allez, on va faire les chacals. Boum. Ça, c'est dégueulasse. Bon, et maintenant j'ai une peau ici à prendre, évidemment, de chien. Je sais pas si ça vaut la peine vraiment que je m'y attarde, mais bon, on va quand même le faire. J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, je crois. Voilà, on va le déplacer. Voilà, bon. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Voilà, bon, je ne sais pas. Et alors, que dois-je faire maintenant? Ah, attendez. Éliminer les ennemis et protéger le champ de pavot. C'est qu'il y a encore des ennemis dans le coin alors. Là-bas. T'es sérieux? Bien joué, Steak. Bon. T'es regardé. On va le laisser venir et on va le tuer. Voilà. Bon, normalement, j'en ai fini avec eux, non? L'avantage, c'est que l'arme n'a pas été sonnée en fait. Donc, il doit encore rester des gardes quelque part en périphérie ou... Et où? Et où? Les chiens. Voilà. Bon. Désolé. Amita. Voilà. Il me restait un chien de garde, excellent, en fait. Excellent, excellent. Merci. Mais je connais Paul. Il n'abandonnera pas les champs de pavots. J'envoie des hommes pour t'aider. Tiens bon jusqu'à leur arrivée. D'accord. Tiens bon jusqu'à leur arrivée. C'est génial. Ça sent la guerre, quoi. À plein nez. Cool. Ça, je dis pas non. Parce que là, ça sent la bagarre, les gars. Hein. Franchement, la révolution, là. Au sud, c'est au sud. Ah, là-bas, ok. J'ai tué mon pote en fait, mon dieu. Je sais pas où t'es.
Voilà. Chaud, hein. Bon, ils zaguent de tous les côtés. Bon, il y en a encore un là. Voilà. C'est quoi ce délire? J'aurais bien des balles moi par contre. Parce que si je vois tous les snipers après, ça va être chaud la cacahuète. Hein. Là-bas, je crois qu'il y a des balles. Non, il y a un coffre. C'est quoi ça? D'accord. Avoir des amis quelque part. Ou alors. Oula. J'ai un freeze. Oh merde. Bon. J'ai pas tout compris mais c'était bien. Bon. Et c'est ici que je vous laisse. Donc. Pour cette émission, j'espère que vous avez apprécié. On prendra donc évidemment la suite la prochaine fois. Donc la défense de nos trucs de pavot. L'armée est en train d'incendier les champs. Sers-toi des arroseurs pour éteindre. Oh.
notre héritage. Le pirate ne s'arrête pas au peuple. Ce sont aussi nos terres. Si tu les empoisonnes, tu empoisonnes ce pourquoi ton père se battait. Voilà, on est de retour. On a donc terminé cette mission. Elle est pas si difficile que ça au final. Je ne sais pas pourquoi j'ai raté aussi lamentablement tantôt. Et on va se diriger donc maintenant vers la mission pour Yogi et Regi. Je vais le placer en marqueur. On va essayer quand même de pouvoir se téléporter à côté, mais j'ai pas de point de téléportation. Il va falloir le faire manuellement pour ne pas changer. Le plus rapide, ce serait quand même de prendre la voiture qui se trouve ici et de rejoindre la route qui se trouve ici. Voilà, on est parti, on est en route. On est à combien de points de... Je vois pas, on est loin. On est loin, tellement loin que j'ai pas d'indication. C'est 800 mètres. Voilà. Voilà, je vois la colline Macrae. Hop. Oh. Un peu trop même. J'ai raté mon coup. Oh là. Oh là là. Oh, on va pas s'arrêter. On n'a pas le temps pour ça. Oh. Bon, on a été pris en chasse quand même. Bon, eh ben. Ce qui nous force à devoir sortir de la voiture et commettre. Ici. Voilà, il n'y a plus personne. Hein. Bon, l'avantage, c'est que j'ai leur voiture maintenant aussi. Et même dans ce jeu, quand on veut pas se battre, on a des tas ou des brebis à côté. Oh, j'ai tué le Sherpa, mon dieu. Bon, ça ne fait que la deuxième fois dans cette partie où je tue le Sherpa. Bon, en même temps, quelle idée de longer le long de la route. Bon, je voudrais vous parler d'Amita. C'est tant pis pour lui. La grosse balèze du Centaure. Bon. Alors, est-ce qu'on est toujours sur la bonne route? Oui, on est sur la bonne route. Alors, on approche à la gauche. Ici, voilà, bifurcation ici à gauche. On est parti. Tu nous amènes, voilà, tout droit. Bon, on va éviter de tuer ce Sherpa là, finalement. Dans un souci de conservation des points de karma. Non, c'était mauvais. J'ai vu tuer là. Le jaguar ou la bébête là. Mais j'ai complètement foiré mon coup. Bon. On va tenter. Oh, je me débrouille pas si mal sur une petite route. Lol. Je suis même pas sûr qu'on puisse arriver normalement en voiture avec ça, mais c'est fait. Voilà, ça m'a évité de perdre trop de temps. La propriété des Galles. Bon, je dois voir Yogi et machin là. Yogi et Régi. Voilà, Régi. Yogi et Regi. On avait l'équipe de gagnants là. Oh merde. Qu'est-ce qu'ils me font ces deux là? Bienvenue mon frère.
Tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es dans un havre de paix. Ah, ils ont trop fumé l'opium aussi, je crois. Les démons modernes ne peuvent pas t'atteindre. Notre ami, Shiva, il nous vient de très loin, en quête de réponse. Nous pouvons l'écrire pour une somme modique. Et ce jeu, c'est un truc de fêlé, quoi. Vous voyez l'effet de la drogue sur vos enfants, c'est ça. Que tu veux savoir qui nous sommes? Bien, je suis Yogi, et voici Reggie. Mais toi, étranger, toi! T'es le fils d'une légende. Je vois un monde dangereux et une mer au cœur entaché. Reggie Gale! Oh, bienvenue au Guru Ashram! Qu'est-ce que tu fais là? C'est la maison de mes parents, là. Complètement starbé, les mecs. Pourquoi il le consomme? Je ne sais rien devant. Quel faire? Oh, je suis là. Oh, il est juste là. Tant mieux pour lui, il sait où il est. Ok, bienvenue, entre donc. Oui, je t'en prie, il fait vraiment comme chez toi. On nettoie. On sera parti dans 5 minutes. Mais d'abord, un petit... Voilà, un petit calumé de la paix. Pendant qu'on rêve. Ils sont complètement starbés, les mecs. Non, merci, vraiment, ça va aller. Mais qu'est-ce que vous faites là, exactement? Tiens, nous représentons les intérêts d'une femme de grande influence. Ouais, elle serait ravie de te voir en chair et en os. Pour un peu d'accueil. Ils sont starbés. Voilà, c'était la carotte. Bon, bah alors, le bâton. Bon. Oh, business. Super. Ces deux-là, je vais me les faire. On n'a pas choisi la manière facile. Et on nous dit qu'il est gagné en soi. D'accord. Bon. La propriété des gars est un endroit où on va vous réfléchir à la proposition que vous avez de personnaliser avec des objets de la boutique. La feuille, ok. Super, je me réveille, voilà. J'ai pris de la drogue complètement. C'est qui ça? Il est à poil. D'accord, j'ai deux femmes toutes nues. J'ai pas l'impression que ce sera joli à voir. À mon avis. On est des esclaves. Ou les tigres féroces. Ou alors acclamez-vous les terroristes. Fils du terroriste Mohan Gale. Recherché par l'armée royale. Tueur d'hommes, de femmes, d'enfants, innocents du Kirat. Il a abandonné son peuple pour rejoindre l'Amérique décadente. Et il revient. D'accord, bon, bah c'est elle, c'est ma prochaine victime, Nour. Elle va prendre cher. Super, ils veulent tous ma peau, ça va être génial. Je vais devoir me battre contre un animal, je crois. Je sais pas pourquoi, mais... Certains pensent que tu peux accomplir des miracles, AJ. C'est le moment de le trouver. Pardon. Ouais, ok, je vais être dans l'arène. Super. Bon. Il y a une lame. À mon pied. Voilà, ça se fait. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Manche. Survivez dans l'arène, merci. Hop. Ça, j'aime pas ça. Bon, ok. Et après? La deuxième série de Paris commence.
mange de feu pour voir. Bon. On est dans un survivor. Hop, voilà. J'ai pas trop le choix. Voilà. Et hop. Ouf. Heureusement, je sais me battre. Hein. Je m'attendais à te voir mourir plus vite. Bon, par contre, j'aurais dû. J'aurais pas dû utiliser le, ma mallette de heal, vous avez vu. Bon, troisième round. Ça passe. Ça, je peux faire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai un flingue. Viens. Ok. Balance des trucs enflammés maintenant. C'est mon jambier. Où sont-ils? Tiens. Toi t'es mort. Et après. Voilà, toi t'es mort. Et après. De prendre le maximum de balles. Bon. Je vais monter. Je vais déjà être plus en sécurité là-haut. Bon. Je peux même pas me planter. Évidemment, c'était trop beau. Voilà. Restez. Boum. Je pense que là, c'était quelque chose qu'il fallait bien. Alors. Allez, aïe, ça j'aime pas. Ça pique. Bon, il y a beaucoup de monde. Je suis dans la merde. Techniquement, je suis bien dans la merde. Je me soigne, mais. Voilà, hop. Voilà, on va essayer d'économiser les balles au maximum, évidemment. Parce que vous avez vu que j'ai plus grand chose à me mettre sous la dent. Je vais essayer de prendre le maximum de balles. Mais j'ai pas assez. Hein. C'est pas encore assez. Allez hop. Hop, cocktail molotov, ça j'ai assez. Fusil, mitrailleuse. Voilà, bon. Voilà, finale. Oh, ça j'aime pas, par contre. Dernière manche. Et là, on parie que ça... Ah non. Bon, ça passe, quoi. Lui, il va falloir juste me le bourriner, mais alors façon fait maison. Voilà. Et voilà. Yosh. Que Dieu bénisse mon âme. Bon, je m'en suis pas trop mal tiré quand même. Face à 5 baguettes de là. Bon. C'est vrai que pour le même prix, on a un peu plus difficile, on peut retirer les packs de vie. Là, je vous avoue que 100 packs de vie ou alors 1 sur 2 à chaque vague, je pense que ça pique. Hein. Bon. Marchons un peu. Ah, ma famille est venue.
mais plus maintenant. D'accord. Stop. Attendez. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Paul a enlevé ma famille. Donc elle est en danger, je suis piégée. Je dois faire tout ce que Pagan me demande de faire. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Le Sentier d'Or veut la mort de Paul. Et il faut que je sauve ma famille. On peut s'entraider. Comment? Tu sais, je peux t'amener jusqu'à lui. Et AJ, n'en veux pas trop à Reggie et Yogi. Ils sont manipulés, comme toi et moi. Ok, bon. Ce qui nous amène à avoir terminé cette mission, donc la bouche de la folie. Arène. Comment ça? Arène. Chasse, réserve. Et arène de Nour. Ok, d'accord. Combat de plaisir de classement en ligne. Ok. Bon. Ce sera ça pour une prochaine fois, évidemment. Parce que je vois pas l'intérêt. Maintenant. Ouf. Ici, on a la suite. On n'a plus de quête principale. Il n'y a plus l'air d'avoir ça sous la main. Je vais me TP. Je suis toujours à l'endroit le plus près. Hein. Oula, bien joué, la gueule. Ouais. Bon. Et évidemment, il est l'heure pour moi de vous laisser, de vous dire merci de m'avoir suivi. Et j'espère en tout cas que vous allez continuer de regarder cette émission sur Far Cry 4. Comme on peut le voir, je vais sauvegarder devant vous pour voir le nombre de pourcentages du jeu que j'ai déjà fait. On peut déjà dire que je pense que j'ai bien avancé ici dans cette émission-ci. 18% et je suis à 7 heures de jeu. Évidemment, ça laisse quand même perplexe sur la durée, la longueur du jeu. J'en avais déjà parlé précédemment dans les autres émissions, mais évidemment, si vous voulez faire le jeu à 100%, n'hésitez pas à l'acheter, parce que, comme vous voyez, donc 18%, 7 heures de jeu, les faits parlent d'eux-mêmes. Donc n'hésitez pas, hein, on a là à faire un très gros jeu d'Ubisoft. N'hésitez pas, achetez-le. Et n'hésitez pas non plus à partager, liker, commenter cette vidéo, ou à interagir avec moi, n'hésitez pas. Je vous remercie. Salut.